Bonjour docteur, et je suis très content d'être avec vous pour finaliser justement un événement qui nous est cher, qui est la souveraineté de l'indépendance du Mali qu'on ne mettra pas en cause. Et toutefois, vous avez l'honneur, Monsieur le Président. Oui, mais merci Amadou. Merci de nous donner l'occasion de remercier au nom de toute l'association Fraternité Malienne Mpaka tous nos frères, nos amis, nos alliés qui sont venus se joindre à nous pour commémorer l'indépendance du Mali et aussi en même temps le hasard du calendrier qui avait fait bien les choses pour aussi la fête de l'Aïd, la Tabaski comme on dit en Afrique de l'Ouest. Donc un grand merci à tous, vous qui êtes venus, vous qui avez voulu venir mais qui n'avez pas pu à cause de vos occupations diverses, et nous savons tous combien on peut être occupé ici puisque nous sommes à l'exil. Donc merci d'être venu, merci aux étudiants qui ont répondu aussi présent à l'appel à travers leur président Ali qui est dans la salle, et aussi tous ces nombreux jeunes étudiants qui sont la relève pour nous qui commençons à nous faire vieux. Cette fête se voulait une fête familiale et je ne crois pas me tromper en disant qu'effectivement c'était une famille qui était réunie dans la salle du 13e. Salle qui porte bien son nom d'ailleurs puisque c'est la salle de fête des familles. Donc c'était l'occasion de nous rencontrer, de nous réchauffer les uns les autres, et nous en avons besoin en ces moments difficiles. Puisque la situation est difficile pour notre pays, le Mali, c'est difficile aussi pour la France, notre pays d'adoption, c'est difficile pour le monde. Et plus que jamais, nous avons besoin d'être ensemble et de nous réunir pour conjurer les mauvais sorts qu'on nous fait et qu'on nous prépare. La communauté malienne d'Aix-Marseille a montré à maintes reprises son attachement au Mali, son attachement à l'intégrité territoriale du Mali, son attachement au bien vivre ensemble que nous avons connu au Mali depuis l'avènement de son indépendance. Et aujourd'hui aussi, nous sommes là pour témoigner de cela. Et quand on regarde la diversité de la salle, où il y a des étudiants de 20 ans, des jeunes travailleurs de 20 ans, des vieux immigrés comme moi, des beaucoup, beaucoup plus âgés que moi, des femmes, des hommes, et aussi les amis du Mali qui viennent d'autres pays d'Afrique, qui viennent de France, ça montre que nous pouvons tous être ensemble et communier ensemble. Donc merci, merci. Face à la montée des périls, nous devons persister dans cette voie. Ce n'est pas la première fois qu'on se réunit, mais depuis qu'on se réunit, qu'on a décidé de prendre cette voie, à chaque réunion, ça s'amplifie davantage. Merci aussi à ceux qui ont permis que cette soirée se réalise et que ce soit un succès, à tous les membres du bureau. Je ne vais pas commencer à citer des noms parce que au risque d'en oublier. Merci aux membres du bureau. Merci aux femmes de l'association. Comme d'habitude, elles représentent la moitié du ciel, mais en fait, elles travaillent comme si elles représentaient tout le ciel. Merci encore une fois et une salutation fraternelle. Merci.